Dans cette vidéo, découvrez comment modifier le code du cadenas 183AL. Pour cela, faites glisser le petit curseur qui se trouve sous le cadenas. La tige est alors apparente. Faites tourner cette tige d'un demi-tour vers la droite. Vous pouvez désormais ouvrir le cadenas. Une fois l'anse ouverte, vous pouvez configurer votre nouveau code à 5 chiffres. Pour cela, il vous faut maintenir la tige enfoncée pendant que vous composez votre nouveau code. Une fois terminé, vous pouvez refermer l'anse. Faites de nouveau pivoter la tige d'un demi-tour vers la gauche et enfoncez-la. Votre cadenas est prêt à être utilisé avec le nouveau code.